Allez, c'est parti. C'est parti. Je peux me faire quelques photos. Allez, musique. Allez, j'ai vu. Les gars, allô. Tu joues, tu joues. Bienvenue. Bienvenue ici, on est dans le studio. J'ai invité un ami. Pour m'aider à finir une peinture. Il s'agit d'une peinture que j'ai faite d'un génocidaire, les 32. Une peinture que j'ai faite pour faire casser. Et donc, j'ai pas envie de la casser moi-même, mais j'ai invité donc mon ami Numbi pour faire un finishing touch sur ce tableau de l'étonté. Il s'agit aussi d'une réflexion sur des questionnements sur le statut de Léopold II qui sont entourés dans toute la Belgique, spécifiquement à Bruxelles. À mon avis, c'est mieux d'enlever toutes ces sculptures et d'utiliser, réutiliser le bronze pour en fondre d'autres choses. Malheureusement, je ne veux pas être vandale. Enfin, heureusement, je ne veux pas être vandale. Donc, j'ai décidé de créer mon propre peinture de Léopold pour le casser. Ça m'évite d'aller à la place du drone pour amener le sculpture. Voilà. J'ai ajouté ici des chipotes. Les chipotes qui sont utilisées par le régime Léopold II pour massacrer la population congolaise afin qu'ils pouvaient avoir leur caoutchouc. Le caoutchouc qui est ici. On a aussi la croix, ça veut dire la mission qu'on a utilisée, enfin que les Belges ont utilisée pour civiliser le Congo. Voilà, le jeu c'est, cher Précy, que toi tu fais ton choix. J'ai trois marteaux. J'ai un marteau de tailleur de pierre, celle-ci qui est lourd. J'ai un marteau de toiturier qui est moins lourd, et le plus léger c'est le marteau de menuisier. Voilà, à vous le choix de casser la peinture. Je vous aime, dites moi. Merci Numbi. Nous venons à Gomba. Non, Goma. 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 Artiste du Congo. Artiste du Congo. Artiste du, pas du Congo, artiste du Congo. Artiste du Congo, moi je préfère mieux le marteau de Mbula Matadi. Ok. Le marteau qui a traisé des roues pour transporter les objets avec le locomotive qui filme. C'est un bon choix. Et bon choix. Je préfère mieux commencer par un grand coup et tailler le reste du chemin dans ma manière. Et je reflète mes gestes derrière ce miroir et derrière cet reflet de la colonisation. Yeah, yeah, Kitoko, Kitoko. Yes. Vive la liberté! Yes! Yeah. Yango! Liberté sans frontières! Yango!